président des Amis de la Madeleine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ma première question, qu'est-ce que ça fait, tout simplement, de pouvoir enfin revenir à cette marche de la Madeleine que vous attendez, je suppose, hein ? Effectivement, puisqu'on n'a pas pu tenir une édition normale en 2020, cette 641e édition, c'est beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir de pouvoir enfin réorganiser un tour un peu plus normalement, même si on est contraint encore par quelques mesures sanitaires. C'est ça, un peu plus normalement, ça signifie que à partir de maintenant, on peut porter des costumes notamment, avec un masque, comment ça se passera ? Alors absolument, les sociétés le dimanche et le dimanche lors du tour et le lundi lors de la remise des médailles, pourront sortir en uniforme, les cavaliers également sont autorisés, ça doit rester en bulle de 25, une distanciation, le port du masque est également de mise, mais au moins on aura un tour en uniforme, en musique, avec des cavaliers, avec des pèlerins et avec la sortie également des statues et des reliques. Comment on fait pour adapter une marche comme la Madeleine à ces conditions ? Ah, ça a demandé de se réinventer dans la préparation, ça a demandé d'organiser des réunions par WhatsApp, des réunions par vidéoconférence, donc c'est vrai que c'était nouveau. Ici, on a depuis un mois et demi la possibilité de se revoir. Et c'est surtout un challenge et une épreuve parce qu'il a fallu revoir tous les scénarios qu'on mettait en place, les revoir presque au jour le jour en fonction de l'évolution de la pandémie, en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Alors, il y aura des changements parce que certains scénarios ont dû changer. On parle notamment de cette fameuse messe qui normalement avait lieu à 4h, oui. La messe des pèlerins. Cette fois-ci, pas de messe parce que pas d'événement avant 5h du matin. Effectivement, c'est un peu dommageable parce que c'est l'essence même du tour et de démarrer par cette messe. Il s'avère que l'arrêté ministériel stipule bien qu'aucun événement ne peut avoir lieu avant 5h du matin. Le tour démarrant à 5h, il était impossible de tenir cette messe à la chapelle de Haigne à 4h du matin comme on le fait habituellement. Donc, qu'est-ce qui se passera ? Il n'y aura pas de messe, rien religieux ? Le tour démarre directement depuis la place Franck, depuis Jumet-Haigne, pardon, à 5h du matin, en uniforme, comme on l'a dit. Alors, le parcours sera adapté aussi. La Terre-Aldance, elle n'aura pas lieu non plus. Ça ramène pas mal de monde, habituellement. Alors, effectivement, c'est regrettable, mais ça faisait partie des mesures qui devaient être prises, tout ça en accord avec les autorités de toutes les communes. C'était une des mesures phares, c'est de fermer le terrain à la Terre-Aldance pour éviter un rassemblement trop conséquent. Et donc les sociétés défileront devant la pelouse, devant la Terre-Aldance, mais ne s'arrêteront pas, ne pourront pas parader comme elles le font habituellement. C'est ça, et dans le parcours, certains arrêts seront supprimés en plus de la Terre-Aldance. Tout simplement, et là c'est pas la crise qui fait ça, c'est aussi les travaux. Tout simplement. Alors, les arrêts, eux, restent. Il y aura des arrêts pour les sociétés pour qu'elles puissent se reposer, boire, manger. Et à côté de ça, il y a le parcours qui a dû être également adapté à Gosselies, puisque le faubourg en face du collège Saint-Michel est actuellement en travaux. Et donc, il y a une petite bifurcation, une petite déviation qui a été mise en place. Et donc, il y a un petit détour. Et après, on revient sur le parcours traditionnel du tour. Voilà, c'est ça, une Madeleine un peu différente cette année-ci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 641e édition ? Se dire qu'elle sera beaucoup mieux que l'année prochaine, mais que ça sera encore que l'année passée, pardon, mais ça sera encore mieux que l'année prochaine. On l'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, Maxime Sempo. Et bonne Madeleine avec un peu d'avance, évidemment.